سي عبد العزيز، المغرب يهيئ معرض في مدريد للتحف المغربية القديمة والغنية، احكي لنا على هذا المعرض. نعم، في إطار الاتفاقيات الشراكة التي وقعتها المؤسسة الوطنية للمتاحف والتي وقعت على إثر الزيارة الملكية لملك إسبانيا، وقعت بحضور صاحب الجلالة محمد السادس نصر الله وفيليبي السادس، وقعت اتفاقية ما بين المؤسسة الوطنية للمتاحف ووزارة الثقافة والرياضة آنذاك، وكان مضمون هذه الاتفاقية وإقامة معارض مشتركة بين المغرب وإسبانيا. فأقيم معرض مرتبط بالصباغة، مرتبط بالتشكيل، مرتبط بالحداثة في المغرب في متحف لارينا صوفيا بإسبانيا، والآن نحن بصدد تهيئ لإقامة معرض جديد ستنطلق فعاليته انطلاقا من أواخر مي إن شاء الله، وسيقام بالمتحف الأثري الوطني بمدريد. وهذا المعرض سيحاول أن يعطي صورة متكاملة عن جانب مشترك من تاريخ الضفتين، أو من تاريخنا، من تاريخ الضفة الإيبيرية وشمال والمغرب بشكل عام. وسيرصد هذا التاريخ المشترك انطلاقا من بدايات ما قبل التاريخ إلى العصور الوسطى، مرورا بالحضارات التي تعاقبت على الضفتين كالحضارة الرومانية أو ما قبل الرومانية بالنسبة للمغرب والحضارة الرومانية، وبعد ذلك العهد الإسلامي والدول التي تعاقبت على حكم المغرب منذ العصر الإسلامي. وسيشهد هذا المعرض حضور مجموعة متحفية متكاملة تتجاوز 160 عمل وتحفة، وبالتالي فهو عمل ضخم سيقدم كما قلت مجموعة من المنحوتات، ومجموعة من البقايا الأثرية، ومجموعة من المعروضات ذات القيمة التاريخية والعلمية والحضارية التي نشترك فيها مع جيراننا بإسبانيا. مسيو عبد العزيز الإدريسي، لو ماروك إكسبوز أ مدريد بروشينمون des œuvres historiques, des œuvres archéologiques qui ont une portée, une importance inédite. Racontez-nous sur les détails de cette exposition. Alors, l'expo qui sera mise en place par la Fondation nationale des musées en accord avec le Musée national archéologique de Madrid sera une expo qui va retracer l'histoire multiple et l'histoire commune que le Maroc avait avec ses voisins et particulièrement avec l'Espagne. Et ça va permettre de mettre en lumière des œuvres archéologiques, des objets archéologiques de qualité, que ce soit la statuaire en bronze ou en marbre, ou des éléments architectoniques qui remontent au médiéval, en même temps des pièces qui retracent, comme ce que je disais, cette histoire particulièrement riche qu'a connue les deux rives de la Méditerranée. Donc l'exposition est une occasion de montrer que la relation entre le Maroc et l'Espagne est une relation historique, est une relation qui remonte au milieu des temps, qui a débuté avec les échanges économiques, culturels, civilisationnels entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée, et qui vont se multiplier au fur et à mesure durant les différentes périodes historiques. Le passage entre l'Afrique et la Méditerranée était, entre l'Afrique et l'Europe, était bien évidemment le Maroc qui a joué ce rôle de passerelle entre l'Afrique et l'Europe. Donc aujourd'hui, le fait de présenter un certain nombre d'œuvres
de valeur à la fois historique, archéologique et civilisationnel dans un contexte particulier en Espagne. Ces œuvres seront exposées bien évidemment, vont se conjuguer avec des œuvres qui proviennent de l'Espagne pour donner sens à cette histoire riche et multiple. Très bien. Cette exposition conjointe aura lieu où et quelles sont les dates? Et le Maroc y exposera combien d'œuvres? Alors, cette expo, en fait, aura lieu au Musée national, au Musée d'archéologie, au Musée national de Madrid. Et ça va se dérouler à partir de fin mai 2022, sur une période de 5 mois. Une expo, comme ce que je disais, qui va présenter plus de 160 œuvres marocaines et un équivalent qui proviennent des sites espagnols. Donc ça va permettre de mettre en évidence à la fois les objets archéologiques provenant de Volubilis, de Tengis, de Zilil, de Tamosida, de Banassa, de Lixus et de Sala. Et ça, c'est pour l'Antiquité, plus des œuvres qui proviennent de la façade méditerranéenne et atlantique marocaine qui remonte à l'époque préhistorique et des objets qui proviennent de Fès et de Marrakech, de Rabat, de Tanger, etc., qui retracent l'histoire médiévale marocaine dans sa spécificité et dans sa continuité également avec la culture méditerranéenne.